Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue dans notre lancée de la dernière sortie des Ichiban Kuji Dragon Ball Battle on Planet Namek. Et aujourd'hui les gars, on est sur une boîte qui contient deux figurines. Alors cette boîte, il y avait le lot A et il y avait la Last One, où la couleur différait complètement de cette version. Nous avons la version un peu plus orangée, alors que la version Last One est un peu plus rouge. Donc voilà, apparemment sur le freezer il n'y aurait pas grande différence, mais enfin bref, aujourd'hui on est sur le lot A. Donc voilà, on est sur la boîte, on est totalement sur l'illustration de Akira Toriyama, mais façon figurine. Voilà, tout simplement, c'est magnifique, mais moi je m'en fous de ça, et vous allez comprendre ça après parce que je vais vous en parler. Bon, le côté, le derrière plutôt sympatoche, l'autre côté, le dessus, lot A avec le petit tampon. Et voici, j'ai les pièces dans mes mains. Alors oui, dans cette boîte, vous allez avoir deux figurines. La Freezer forme finale et une Goku simplement tirée de l'illustration de Akira Toriyama, comme je vous l'ai dit. Et je vais pas vous mentir que j'ai été énormément déçu dès l'annonce de la sortie, parce que je voulais une forme Freezer basique, tout seul. Je voulais pas forcément qu'il soit mis en scène avec un Goku pour voilà, faire un petit clin d'œil à Akira Toriyama en disant voilà, regardez, hop, on a fait des figurines. Ça m'a un peu fait chier. J'aurais préféré une forme finale de Freezer simple, basique, comme la deuxième et la troisième forme. Ça m'aurait beaucoup plus plu, parce que là je sais pas si le prix diffère parce qu'on a deux figurines. Enfin, on voit qu'il y en a une qui a été moins travaillée que l'autre, je trouve personnellement. Mais j'aurais préféré la forme finale de Freezer toute seule. D'une, question de prix, et de deux, elle aurait été peut-être un petit peu plus badass, parce que là vous allez voir, elle est quand même très belle, mais c'est mis en scène, et du coup ça retire tout le côté basique qu'une figurine que a de base en fait. Comme la troisième forme, elle a du charisme, elle est sur sa pose dynamique, elle a, voilà, il y a quelque chose. Là il faut pratiquement forcément la foutre devant le Goku pour que ça ait du sens. Mais enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Sur ce, vous le savez bien, qui dit Japan Code dit cadeau. Et voilà, hein, cette illustration, ils nous la sortent partout. On l'a même sur la serviette. Alors la serviette, par contre, elle est magnifique. On va pas se dire le contraire, elle est magnifique. L'illustration en elle-même est magnifique aussi. Mais en figurine, c'est pas pareil, les gars. Au pire, voilà, t'aurais fait la serviette pour dire, bon, et la forme finale de Freezer, s'il te plaît. Là, c'est pas demain la veille qu'on va en revoir une. Et deuxième petit cadeau. Alors ça, je trouve ça magnifique. Une affiche de Dragon Ball avec Tortue Géniale, le petit Goku, Cocoline au fond là-bas, là vous le voyez, hop, avec le petit Goku sur le palmier. Cette image, elle est vraiment, je trouve qu'elle a un style hyper old school, et surtout bah elle est juste kiffante. Donc merci à vous les frérots, merci encore pour tous les cadeaux, et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que bien évidemment il y a mon petit code promo qui est là pour vous. Il faut en profiter, c'est 5%, c'est gratos, c'est pour vous. Ça peut toujours aider sur une grosse commande, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît. Donc nous voici pour voir en détail ces deux pièces. Donc le Goku ne tient déjà pas sans le socle, c'est impossible de le faire tenir sans le socle. Donc on va passer voir la Goku avant. Bah écoutez, le Goku, je pense que c'est celle où ils se sont fait le moins chier. Je pense concrètement que ces deux pièces sont juste uniquement là pour illustrer l'illustration d'Akira Toriyama. Je suis désolé. Mais c'est totalement ça. Il n'y a pas plus de travail que ça de fait. Alors le coucou en soi, il est bien fait, mais il n'y a pas de teinte. Genre là, c'est orange, c'est tout. Il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de nuance. Le bleu, c'est tout. La couleur peau, c'est tout. Il n'y a rien de fait en plus. Genre vraiment, ils ont fait le plus basique possible. Par contre, au niveau du sculpte, bon, c'est plutôt correct. Cul un peu trop plat, les jambes un peu raides, un peu trop en arrière, mais ils n'avaient pas trop le choix. Bon, c'est... voilà, quoi, c'est... après, en termes de visage, c'est plutôt joli, mais c'est basique. Petit défaut, là, au niveau de la chevelure. Je sais pas si vous allez le voir, le petit point blanc, là. Mais là, c'est du plastique, quoi. Là, c'est du plastique. Concrètement, il y a le Goku, il n'y a rien à dire. Alors, je sais pas si ça diffère sur la version la Last One ou quoi. J'espère pour ceux qui l'ont acheté que oui, parce que en soi, c'est parce que je voulais vraiment la Freezer forme finale, parce que sinon, aucun intérêt. Ce Goku-là, il a aucun intérêt, je trouve.
Je l'avais pas comme ça en Ichiban Kujis, Goku, mais voilà. Je trouve qu'il a pas trop d'intérêt. Il y a des petites bavures ici. Je sais pas si vous voyez aussi. Voilà, mais c'est très léger. Je pense qu'en grattant, on peut réussir à faire quelque chose. Bon, après, c'est un certain style. Voilà, j'en dirai pas plus. Bon, pour le Freezer, parce que c'est lui qui m'intéresse. Bon, au niveau de la queue, on a une grande queue, ouais, assez longue, arrondie sur le bout, donc pas pointue. C'est assez joli, c'est assez bien fait, c'est texturé, c'est légèrement texturé, c'est vraiment très légèrement texturé. Pas de teinte différente, c'est du blanc cassé, c'est pas mat, c'est du blanc cassé. Après, je vais pas vous mentir que malgré tout, cette Freezer, elle est jolie. Je vais pas vous mentir, elle est bien réalisée, elle est bien sculptée, bien modélisée. Mais on retrouve un petit peu ce côté un peu plastique, hein. Ils ont fait ça dans le même style que le Goku. C'est un peu trop plastique, un peu pas assez nuancé, pas assez... je sais pas, je trouve que c'est trop lisse, c'est pas assez texturé. Bon voilà, il y a un travail sur le dos qui est fait au niveau de la musculature, le crâne est joli, les yeux, le regard, machin, c'est joli. On a la fameuse jointure qu'on a pu retrouver sur le Majin Buu, qui est un peu presque identique, hein, avec la tête un peu surélevée, et du coup bah, on voit la jointure et on n'a pas trop le choix de le mettre comme ça. Alors certes, faut le mettre de côté si vous voulez faire bien avec la Goku. Moi j'ai décidé de pas la mettre avec le Goku pour le moment. Vraiment, j'ai décidé de pas la mettre. Donc après, en termes de colorisation, bah écoutez, c'est du blanc cassé. C'est du blanc cassé partout. Il y a des endroits où ça fait un peu plus plastique que d'autres. Les petites pastilles violettes bien réalisées, malgré que ouais, ça se voit qu'ils se sont pas fait chier non plus. C'est pas du joli travail, j'ai envie de vous dire. Au niveau des orteils, bon, c'est correct, c'est fait. Il y a des peintures sur les ongles, nickel. Les mains, pareil, c'est bien fait. Non, en soi, cette Freezer, elle est bien, elle est badass, elle est jolie, tu vois. Elle rend bien, mais voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel. J'aurais préféré une Freezer et je ne lâcherai pas le morceau. J'aurais aimé un Freezer forme finale. Comme il se doit. Voilà, comme il se doit. Pas cette forme de Freezer avec un Goku en face et il faut absolument qu'on les mette comme ça. Ça ne m'intéresse pas. En termes de figurines, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Alors, ça peut faire bien, voilà, dans une collection, tu mets en scène ton truc, ok. D'accord. Moi, ça m'intéresse pas. En fait, je ne comprends pas. Les Freezer, c'est rare qu'on en ait. Là, on est en pleine sortie des Freezer depuis 2-3 sorties. Et là, voilà. Je trouve que la Goku, encore une fois, aucun intérêt. La Freezer peut passer encore toute seule. Mais c'est... Je suis relativement déçu, mais après, j'ai acheté en connaissance de cause. C'est-à-dire que j'ai acheté en sachant que de toute façon, bah, c'était comme ça. Et voilà, je préférais l'acheter que de ne pas avoir de Freezer forme finale. Et ça m'embête vraiment, en fait. Ça m'embête vraiment. Tu vois, au pire, elle aurait été comme ça. Mais juste la tête plus droite, c'était parfait. Genre, vraiment, c'était parfait. J'aurais rien dit. Juste la tête plus basse, le fait qu'il regarde pas en l'air, parce que là, on sait qu'il regarde absolument quelque chose, ça l'aurait fait. Après, les deux ensemble, oui, c'est joli, mais je m'en fous. Moi, de mon côté, je m'en fous complètement, vraiment. J'ai pas compris le choix de Bandai sur ce coup-là, C'est une petite déception, sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est une petite déception. Donc je pense que quand il y aura une autre forme finale de Freezer, pas en full power, hein, vraiment forme finale comme celle-là, différente et en solo, je pense que je la prendrai aussi pour histoire de dire, voilà, j'ai toutes les formes de Freezer, mais au moins il n'y en a pas une qui est mise en scène, tu vois ce que je veux dire. Là ouais, déception. Je sais pas trop quoi dire d'autre en termes de sculpte. Y a pas grand chose à dire en soi. C'est juste que bah en fait c'est plus la colorisation. Ils ont pas essayé de faire des nuances, des dégradés, des. Quand tu regardes la troisième forme de Freezer et que tu regardes ça après, ça dégoûte un peu. Alors autant la Freezer, ça peut se comprendre. Il a cette couleur là. Il paraît un peu lisse même dans l'animé, dans le manga, je peux comprendre. Mais le Goku, franchement, c'est parce que là, on a le tampon, parce que c'est à la limite de se demander si c'est de l'officiel ou pas, sincèrement. Le Goku, par contre, il est lourd. Hein. Le Goku, il est lourd. Hein. Mais ouais, je suis... Alors attention, hein, je sais que là, je vais m'en prendre plein la gueule par rapport à ce que je dis. Mais c'est ce que je pense, les gars.
Et ce que je pense, vous pouvez pas le changer, malheureusement. C'est mon avis, et je respecte votre avis. Si vous êtes pas du tout d'accord avec moi, je le respecte, je peux le comprendre. Mais moi, c'est mon avis. C'est mon avis, et je trouve ça dommage. En gros, là, c'est mes seules figurines qui sont mises en scène et qui ne peuvent qu'être comme ça. Voilà. Sauf que moi, ça m'arrange pas du tout. D'une, et de deux, bah, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Autant sur des résines, voilà, tu te dis, bon, ils font un combat, hop, tu vois le point qui rentre dans la gueule, des trucs comme ça, bon, ok, vas-y, c'est super, ça, c'est un moment, comme les archives, c'est un moment dans l'animé, dans le manga, d'accord. Là, je suis déçu, je vois, j'ai rien d'autre à dire dessus, je suis juste déçu. Encore une fois, bien fait, hein, bien fait, mes colorisations, tout ça, je trouve ça vraiment pas ouf du tout. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bon bah comme vous l'aurez vu, déception, mais juste par rapport au fait que ce soit très bâclé. Regardez la jointure en plus qu'il a sur le crâne Goku. C'est déception. C'est fort dommage. Après c'est qu'un avis vraiment personnel, c'est mon avis les gars. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien fait, que ça vous plaira pas. Non, vous l'avez vu dans la vidéo comment elles sont. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Et je vous contredirai pas. Genre c'est pas moi qui vous dira ah non, l'achète pas, c'est de la merde, c'est pas beau. Non, pas du tout. Moi-même, je l'ai acheté en sachant que j'allais pas spécialement aimer, mais c'est vraiment Freezer, je pouvais pas le rater. Voilà, Freezer, je pouvais pas le rater. Donc c'est comme ça, et malgré tout, je suis quand même content de les avoir, en fait, et surtout la Freezer, la Goku, franchement, voilà, si je l'avais pas, c'était pareil. Mais la Freezer, je suis très content de l'avoir, et je vais être content de la disposer parmi ma collection. Donc voilà, je vous remercie encore une fois de passer dans mes vidéos, de lâcher un gros pouce bleu, de mettre des commentaires. Merci à Japenko, Franck et Jérôme, les boss du game, les boss du game, et je vous retrouve très très vite pour la deuxième forme de Freezer les gars. Je vous fais plein de gros bisous, peace, mais pas sur moi. Pouh. Petit code promo Clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japenko, sauf hors code promo. Exemple, si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question. Ha ha ha!